Bonjour à tous, c'est Sahara Berger. J'apporte par cette vidéo mon soutien à Ahmed Mualek, qui tente, semble-t-il, depuis des années d'apporter sa lumière, malheureusement toujours obscurcie par l'ombre d'un système. Un système qui, à l'évidence, n'a jamais aucun problème dès lors qu'il s'agit de véhiculer la haine, quand celle-ci est conventionnelle, comme la haine contre l'islam, la haine contre le sionisme, bien évidemment, ou encore le nationalisme européen, etc., etc. Mais qui, en tout cas, n'apprécie pas du tout dès lors qu'il s'agit d'un véritable message de paix, comme celui porté par Ahmed Mualek, dont je salue ici le courage, l'humilité, la sincérité et la profondeur dans son combat et sa foi à travers son parcours. Et c'est pourquoi, Ahmed, j'ai écrit pour toi cette chanson qui s'intitule Ahmed Mualek, béni sois-tu. Face à la violente censure qui frappe les hommes les plus droits dans cette grotesque dictature de la mauvaise foi. Je te dédie cette chanson à toi l'ami de la raison, Ahmed Mualek, béni sois-tu. Lutte et celle de la vertu, Ahmed Mualek, béni sois-tu. Dieu, donné aux hommes, tendra sa main sur ton chemin de la droiture, béni sois-tu. Sous les projecteurs de l'obscurité, il a su garder sa lumière, et c'est en cherchant la vérité qu'il s'est retrouvé à terre, mais s'est levé sans rechigner, même blessé. Il s'est levé. Ahmed Mualek, béni sois-tu, ta lutte est celle de la vertu, Ahmed Mualek, béni sois-tu. Dieu, donné aux hommes, tendra sa main sur ton chemin de la droiture, béni sois-tu. Confronté à la bête immonde qui ronge les hommes jusque dans l'âme, il a su rester hors du monde, loin du combat infâme. En traversant le désert brûlant, il a dû transcender sa foi, et c'est en lisant le Coran qu'il a pu marcher droit sur son chemin qui sera mien, celui du destin, du droit chemin. Merci Ahmed, béni sois-tu.